Ok, Méné, nouvelle étape du Sneaker Stores de Camino. On se retrouve en direct de Genève et Zurich en Suisse, Méné. Grosse dédicace à l'équipe de Sneaks Russell qui a fait l'event comme il fallait, Méné. Grosse dédicace à Chuckies, grosse dédicace à Miller. Ils m'ont enfin emmené avec eux. Wouh! FDV, on va vous montrer la table à maison. Ok, mon mec. Là, il y a un salon. On est arrivé en Suisse. Hey, Landry, t'as ramené combien de paires de chaussures? J'en ai ramené 4. Comment allez-vous? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas rechercher ta fille? C'est Suisse. C'est Suisse. On va manger où? Parce que j'ai rien vu. Dans un truc à burger qui s'appelle le Frenchie. Rien, c'est que tu vas tout droit, cousin. Gros, déjà lui, il dit quelque chose, bon. Au lieu de dire quelque chose, il dit quelque chose. Tu rigoles, mais des fois tu le dis aussi là. Mais gros, arrête, gros, non, arrête. Non, gros, arrête. Ah, arrête, si, mon ami chocolat. Tu dis aujourd'hui. C'est la meilleure, c'est laquelle? La meilleure? Celle que tu préfères. Celle que je préfère, moi. En ce moment, ce que je préfère, c'est la mordue, c'est du cidre aromatisé à la bière, c'est pas mal. Pourquoi il est si sera comme ça? C'est pas raciste. J'ai des amis noirs. Je peux pas être raciste. Ok, mané, wait jusqu'à Annecy, mané. La dernière fois, j'étais au bureau, tu fais le malin, toi, Mike. J'ai trouvé des photos de what? Ah là là. Je t'avais montré, gros. Ils t'ont pas reconnu, bro. Bon, allez. Ouais. C'est pourquoi? C'est pour Camino TV, notre chaîne YouTube. Ok, un blog aussi. Vas-y, bah tu me. On veut... ouais, je ouais, tu me donneras le truc et tout, y'a pas de soucis. Avec tes t-shirts G-Star là. Ah, gars. Gars. On va aller à la vôtre. Faites la photo, non? Mais laissez-moi le truc. Les gars, ouais, ouais, les gars, Mike, Mike. Mike, je crois que t'es des pubs, toi. Et t'avais une paire de chaussures, les gars. C'est une air structure, hein? Non, 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 bon. Ah, t'as redécouvert. T'es fier de toi. Ah, le temps où t'étais DJ? C'est le temps où tu faisais des soirées. Voilà, bah, merci. Ah, Sean, c'était DJ Khaled, mais. Lidl. Alors, c'est des trucs au fromage. Tu sens le fromage, là? Ah, c'est bon, ça, merde. Hein. Mike, c'était quelque chose. Ouais. Quelque chose, t'as qui a entendu? Eh, hey, c'est filmé, mon pote! Non, non, non! T'as dit quelque chose! Gros, va! T'as dit. Gros, t'as dit quelque chose. Oh là, mon gars! Non, 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 on va écouter! Mike, c'était quelque chose. Mike, c'était quelque chose. Mike, c'était quelque chose. Il a pas fait? Mike, c'était quelque chose, là? Il était à deux doigts, mon gars! Il y a 6 mois, si je lui avais donné ça. Et là, c'est pas 6 mois parce que. C'est quelque chose de pas normal. Je m'en fais tout. Mais voilà, merci. J'ai dit quelque chose. Non, t'as surtout pas dit. Comme un certain mec qui serre pas les mains, il a fait. Ouais, ouais, quelque chose. Mike, c'était quelque chose. Mike, c'était quelque chose. Mike, c'était quelque chose. Je me présente, toi, Jehovah. Mami. Mr. Love, love. Bonne soirée, au plaisir. Ça t'a plu, ouais? Ouais, c'était bon, c'est vraiment bon le burger. Merci les gars. Bonne soirée les gars. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye. Ciao. Allez au Frenchy, c'est très lourd. Très bon accueil. Le burger, c'est très bon. Mais voilà, il est bon. Ok, mais né là, on est en pour aller à Sneaks Russell. Sneaks Russell. C'est pas facile à dire. Hein. Comment tu dis, ton cus? Sneaks Russell. Putain, il a parlé. Je pensais qu'il avait pas dit. Et c'est parti pour Mario Kart. Je suis assis. Ton prochain anniversaire, je vais t'acheter, tu sais, le panneau qui dit, ouais, un trait danger, deux traits sécurité. Ah, c'est Mike le GPS, là? Mike le GPS. On va aller là-bas, ensuite on va prendre la droite. J'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Personne parle comme ça. Vous n'êtes jamais allé en Suisse. C'est juste que c'est un cisra, personne parle comme ça. Vous n'êtes jamais allé en Suisse, c'est pour ça. Si, c'est vrai, c'est ça. Il est chiant. T'as un GPS dans la main. Ferme ta gueule, c'est toi qui charge, gros. Eh, les petits sont chiants. Ils sont chiants. C'est lourd, hein. Ok, Méné. I'm a fuck a friend, then we flip flops. If she acting up, then she kick rocks. Nigga acting tough, bitch, your shit rocked. I'm a big shot, I'm a big shot. Bitch, I'm big nice, yeah. I'm a big price, fuck. And I took a blade, bitch, your shit sliced. Never run away, bitch, I run it up.
Bah ouais, ouais, toi t'es chaud frère. Dans ma tête. On est bien arrivé. C'est notre deuxième event, mais là on est vraiment juste nous, Snix XXL. Avant on a fait un event avec un magasin de chaussures. Que, comme je dis, on aimerait ouvrir un magasin et là on veut voir si, on, si ça vaut le coup, tu vois, d'ouvrir un magasin. Franchement, même nous on est choqués, vous étiez pas là, mais ce matin on est arrivé à 6h du mat, y'avait des gens, ils étaient déjà là, il y avait 20 personnes déjà là. Ça fait grave plaisir, tu vois. C'est lourd. Non, moi je pense, en gros, faut pas parler. Genre, là on a l'occasion d'essayer, on essaye. Déjà en train de tourner ta veste. On voit, on connaît, rien du tout. Regarde, Là, il vient de me dire, il faut que j'attende que les lumières elles s'arrêtent avant de mettre le pied dedans. Ça veut dire que le matin, je me lève, je mets mes chaussettes, tout ça. Et je dois attendre que les lumières s'arrêtent. Ah, c'est pas ce que vous croyez. J'avoue, elle serre bien le pied et elle serre le pied jusqu'à devant. Ça, c'est dingue. Eh gros, si je me rassois, elle se met tout seul. Je suis à moitié convaincu, les gars. Presque. Vous voulez la prendre, ça va vous coûter 1400 euros. C'est la OG. C'est la OG, ouais. C'est la OG. Ouais, bah oui. Ça, c'est vrai, il y a des trucs qui sont vendus beaucoup plus cher. Ouais, je pense que je vais acheter. C'est bien le chaussure. Combien? Oh, s'il te plaît, moi aussi. S'il te plaît. Tu viens m'acheter? Ah bah oui. Là, je l'ai acheté, mais ça, c'est tout. C'est trop cher. Quoi. Vas-y, sors ça. Vas-y. Pirate. Petit cadeau mené de Clément. Ça va aller. Collab avec Pizzo. Ouais, j'ai grave bien accueilli, regarde la doublure. Elle est belle de ouf. Moi, je suis venu juste pour vous voir, hein, les gars. Ah, gros, les petits ont fait le vrai truc. Gros, c'est chaud. Gros, ils ont fait un vrai truc. T'as fait à la mort. Je suis impressionné de fou. C'était comment, les gars? C'est lourd. Hein. C'était lourd. Ouais, chez Lisa. Reste en fight là. Non, c'est lourd qu'ils aient de la force. Et ouais. Les petits sont chauds mais nègres. Fight. Ce genre de chaud. Ouais. Ça allait bien. C'est chaud. Mais vas-y là, on cherche un endroit pour manger. Par contre. Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est censé être à 210 mètres. Hein? Dis-ce que c'est ici, là. C'est quoi le nom du truc? Vous connaissez le restaurant? C'est quoi le nom? Éphémère, je crois. Éphémère? Là-bas, là? Après le restaurant. Je suis content que ce soit enregistré en vidéo. Je suis content. Moi, je suis content que t'as dit quelque chose hier. T'as dit quelque chose, là? Mike, c'était quelque chose. Il y avait grave du love à la boutique, gros. J'étais touché. Moi aussi. Né. Tranquille. Donnez un endroit pour manger. Le McDo, je l'en ai pas. Comment t'as vécu cette rencontre avec tes supporters? Eh gros, on a tourné, ils ont vu ton afro. Ils ont pas assez. Merci. Qu'est-ce que t'as acheté? Ah, ça, c'est des Supreme Louis Vuitton, les pères. Mané. C'est pas enculé. Mané. Non, ça fait. Tu sors plus de minutes. Attends, la go qui est arrivée, elle est rentrée chez elle, elle s'est décoiffée, elle a envie de la Moi aussi, Mané. Non, c'était lourd. On est grave dans l'apprentissage de la danse de pile. Hey. Qu'est-ce que toi aussi? Hey. Hey Mike, il y arrive, hein? Hey, il veut jamais arrêter. On va les passer les deux. Hey, fais ta danse. Hey. Je suis blanc comme as. C'est quoi le... Comment tu fais? Hey. Même en voulant mal le faire, tu fais bien. Tu recules. T'as des magasins. Magasins sneakers. Non, ça c'est. C'est vrai, je vois. T'es vraiment une star. Pourquoi non? Ok, mané, on est la Camino Gang. Camillerie. Camino. Mané. Ciel orchid.
Ok, mané. Mais il y a deux potes qui s'appellent Jules et Jérémy qui ont ouvert en 2014 une boutique pour vendre leurs propres vêtements. Ça s'appelle Loki, ça veut dire scred en anglais. C'est au troisième étage d'un immeuble et franchement, en venant ici, j'ai pété un câble. Il y a des anciens maillots de foot, du vintage de North Face, des sweats Versace. Il y avait même le maillot de Zidane au Real Madrid. Que ce mot, viens, on leur fait la visite. I heard you got a man now, but you could come and get some one more time. Phone up the weed man, and you could come and roll one, one more time. I know what you're thinking, our little secret, one more time. Taking all your clothes off, fuck me like you mean it. One more time, one more time. Yeah, one more time. Oh, yeah. One more time, yeah. One more time, one more time. See the stars, yeah, when I race. Take you to the shard in a wraith. Saying that I'm charming, staying till the morning. Baby, can you pass me the ace? You the baddest John in the place. Don't let me start on your waist. I can have you balling, yeah, me done talking. Off two R's in a place. Being that nigga, of course. Z-man dripping in sauce, whipping excursion, gripping and swerving. Z-man ripping that Porsche. They can hear when I pull up outside. Envious niggas won't mind. I see them burning, so I bought that German. One more time. I heard you got a man now, but you could come and get some. One more time. Phone up the weed man, and you could come and roll one. One more time. I know what you're thinking. C'est le vlog, vous faites du vlogging. Soit. La Suisse c'est d'or, mais il n'y a pas de magasin sneakers. C'est cher. On a payé 80 euros un McDo, bro. Non, on est 5. Non, ça c'est chaud. On est 5, on a payé 80 euros, c'est trop. C'est trop. Je veux des violets de rap, d'un fils à tout dialogue. À 16, je te paye un grec. À 20h, je te paye un grec. Allez, c'est là. La vie. Je veux que tu payes pas, je paye. Je veux que tu prends 30 euros, les glaçons. J'espère que vous avez bien vu, vous savez presque la vérité. Puis ouais, il dort dès qu'on est en voiture, puis ouais, il dort. Ouais, d'accord. Puis ouais, il dort dès qu'on est en voiture. Puis ouais, il dort dès qu'on arrive dans un endroit, il dort. Et après, il découvre la caméra, il dit hey, mané, 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 il saute partout. Wesh. Oh, ma. Me too. Here. Pilote. T'es ouf, venez voir, venez voir. Jeune quand il monte. Venez voir, tenez, regardez. Après il jette ça sur moi pendant le trajet. Vous voyez comment il est? Qui a mis la musique? Mike! C'est moi gros de. Mike! C'est intelligent là. Et alors? Venez, on met l'adresse et tout. Les gens s'attendent pas à voir quelque chose comme on a ici dans une ville comme Genève qui est exclusivement branchée sur la haute joaillerie et les montres. Ben voilà, il y a un endroit particulier, ça s'appelle The Geneva Skateboard Museum. On l'a monté depuis 1995, c'est un projet un peu fou. Voilà, moi j'étais skateur à l'époque, je me suis détruit la cheville en skate. Je me suis réveillé à l'hôpital, on m'a dit que c'était fini. Et comme je voulais pas quitter ce monde-là, ben je me suis dit je vais faire en sorte de pouvoir le partager aux gens. Donc voilà, on est un peu en dehors de la ville, il faut faire 10 minutes de bus, ce qui n'est pas énorme. Et puis vous allez découvrir un endroit qui est rempli ben, de sneakers, de rétro games, de boards et surtout de vie. Et puis le problème c'est surtout, prenez votre temps, parce qu'en général quand vous franchissez la porte de chez moi, vous n'en aurez jamais pour 10 minutes. Donc planifiez bien votre journée,
parce que vous risquez d'y passer du temps. On est un des seuls musées du skate et de la pop culture, en tout cas en Suisse et en Europe, avec autant de choses, que ce soit les jeux vidéo, les sneakers, les boards, tout ça. Donc aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup à notre travail, qui a été le travail de la conservation et du patrimoine. On a des grosses sociétés qui nous louent des pièces parfois. On a la télé qui nous loue des pièces pour des décors. Moi, je fais des workshops avec des écoles d'art, je fais des workshops avec des écoles. Voilà, mon travail, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une petite partie de l'iceberg, il y a ce que les gens viennent voir, puis après, il y a tout ce qu'il y a derrière en termes de transmission, tu vois. Et ça, je le dois au fait de ne pas avoir baissé les bras et pas avoir laissé tomber cet endroit et de l'avoir défendu corps et âme. Tu sais, il y a une chose que la vie, elle t'apprend, c'est que personne ne fera les choses à ta place. Donc, si tu n'as pas l'argent pour payer quelqu'un pour le faire à ta place, tu dois apprendre à le faire toi-même. Et avec tout ce qui vous entoure, ça m'a amené à avoir une sensibilité sur certaines choses que des gens pourront pas apprendre ça dans une école. Et du coup, les gens viennent me demander par rapport à ça. C'est vraiment très lié à tous ces gens de ma génération où personne ne nous faisait confiance. Donc on a dû sortir les pouces du cul, il n'y a pas d'autre terme là-dessus. On a dû le faire pour pouvoir continuer à exister. Ce qui est important, puis que j'explique tout le temps aux gens quand ils viennent la première fois, tout ce que vous voyez là, il n'y a rien qui vient d'Internet. Il n'y a rien qui vient d'eBay. J'achète rien sur eBay, je cherche, je fouille les caves des gens, les vide-greniers, tout ça, pour faire sortir des pièces un peu cool qui partiraient à la déchetterie. Et mon travail, c'est ça, c'est archiver ces pièces-là. Okay. En face de toi, t'as Jim, voilà. Papa garagiste, maman mère au foyer, donc pas de thunes, voilà. Et pas de thunes, ben, passionné de basket, mais pas de basket. Okay. Voilà. Et puis dans les années 90, ben, on pouvait trouver de la Jordan, une, deux, assez facilement. Parce que ben, voilà, les gens ne les portaient plus, parce qu'ils voulaient tout, à chaque fois le dernier modèle. Mais il faut quand même comprendre que dans de la Jordan, il y a un moment donné où les gens voulaient le dernier modèle, mais ils en avaient carrément rien à foutre des anciennes, tu vois. Combien de temps il a fallu pour prendre conscience que finalement, ces premières Jordan, c'était un témoignage de l'histoire. Je vais te raconter un truc. Sur la 1, 2, 3, 4 que j'ai là, qui sont des OG, il y en a plein qui ont des trous dessous parce qu'elles étaient montées sur des patins à roulettes, tu vois. Alors elles ont 8 trous sous la semelle, mais le reste de la chose, elle n'est pas du tout usée parce que en fait, les gars, ils n'ont jamais marché avec. Et ça se trouvait dans des brocantes, tu vois. J'allais dans des brocantes et il y avait tout d'un coup une vieille paire de rollers pourris avec une Jordan 1 ou 2 dessus, où tu es là, genre. Ok, combien? Ah, quand même, c'est des bons patins, tu vois. Puis tu es là. Ouais, ça va les patins, bon, mais combien? Bah, ouais, 15 balles. Ouais, ok, alors, mais 10? Non, parce que franchement, les roulements des patins, ils sont pas terribles, je la prends à 10 balles. Tu rentres chez toi, tu dévisses la chaussure, tu fous tout à la poubelle et t'as ta paire, quoi. Et de ma grosse collection de sneakers, c'est quasiment que ce que j'ai gardé. Si tu regardes les vieilles images de skate de ces années-là, il y a vraiment une chier de mecs qui skataient de la Jordan. Hein? Parce que elles étaient montantes et du coup les mecs ils voulaient beaucoup de chaussures montantes pour protéger les chevilles. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas complètement improbable d'avoir une collection de Jordan au musée du skate, parce que c'est des chaussures qui ont été beaucoup skatées à l'époque. Merci de la visite. Merci à toi. À la prochaine. Du passé et du futur qui se tue. Salut les gars. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci vraiment de la visite. Vraiment merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Et si un jour tu montes sur Paris, ouais. Vraiment volontiers. Obligé. Promis, j'ai qu'une parole. Ok. Ok. Bye. Ciao les gars, bye bye. Merci pour tout. Hey les gars, deux secondes avant de bouger. Les gars. Le shop était. Je crois qu'il était le meilleur shop de Malmö. Ouais, Mike il m'a dit c'est le meilleur shop où, dans lequel il est rentré. Gros. Dinguerie. C'était futur que ce pour le gars. C'est pas un vrai shop. C'est gros, franchement, j'ai eu des étoiles. J'étais un enfant. J'avais des étoiles dans les yeux. J'ai pris l'arbre.
rue, comme ça on saura. Parce que j'étais un ancien skater, tu vois. Mais gros, tu vois. J'ai longtemps skaté, tu vois, je faisais des 3-6 flips. Des kick flips. Par contre, les fais pas avec la voiture. Ah, commencer à partir en couille. Je faisais des 3-6 flips. What you kiss my name? Ok, my name. T'as dit quoi? Elle est fonce dé, gros! Il est fonce dé, gros! Elle a voix suave! T'inquiète. Eh, il vient de me dire que là, ici, ils l'ont pas trop. Et genre là où ça tente vie, ils ont l'accent que je fais, donc je fais bien l'accent. T'es sûr que c'est celui-là qu'ils ont? Dans le même style. Là, le gars, il arrive tellement au bout de sa passion qu'il la transmet et qu'il arrive à en vivre et qu'il a un endroit à lui. Et les autres sont sur des groupes Facebook et ils pleurnichent puisqu'on fait des trucs avec les petits, mon gars. Ah non, c'est ouf parce que, genre, c'est un pays où on n'est jamais allé. Et genre, on a toujours un truc à faire. Genre, on sort du mec du skate shop, il y en a un qui nous appelle, ouais, viens, vas-y, on mange ensemble. C'est beau, hey, il est dedans. Je préfère le nature. On est venu par là, donc c'est pas ici, c'est là. Oui. Non ? Tu sais pas ce que tu racontes. Non, mais si, on est venu de par là et moi, le GPS, il me disait d'aller à gauche. Il avait toutes les consoles, quoi. Même des consoles que je connaissais à peu. Dans la manette, c'est là. Manette, un truc de ouf. Ça, c'était inconnu, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Mais très très loin. Très très très, très loin. Bah, je ne sais pas. Putain, on arrête de filmer. On en a pas reparlé en débriefant là. Le fait qu'il y ait tout gros, qu'il y ait et sneakers, ouais. Et jeux vidéo, ouais, et skate, tout et qu'est truc, c'est un délire. C'est-à-dire, n'importe qui rentre dans ce truc, il y a obligé quelque chose que t'aimes. Et du coup, tu peux être que intéressé pour rentrer là-dedans. Alors, ça dit quoi la data? Attends, le GPS il pleure un peu là. Car toi. Allez, la conduite sportive. Mike, gros. Non, mais gros, genre il va passer, je le. Moi, c'est pas ça. Ah ouais, gros. C'est faut qu'ils comprennent qu'on est beaucoup là dans la voiture. Arrêtez, les gars. Attends, je vais faire l'accent. Moi, je pense qu'après, c'est à droite. Faut tourner à droite. Go. C'est rouge, mon pote. C'est rouge, mon frère, la. Ah, j'ai envie d'y aller. Oh. Tu vois, les gens, ils ont rien fait, ils ont pas agi. C'est naturel. Donc, ça prouve que ce que je dis, c'est vrai. Tu te prends pour qui à passer devant moi? Mince alors. Faut reconnaître un peu que j'ai un certain talent. Bon, est-ce que je vais acheter une paire? Regarde, je fais comme as. Et quand tu descends, Sean, il fait le mini work. Capté? Attends. Trois Renault, ils sont rentrés, ils sont à fond. Encore? Putain, mais Sean, il est trop violent, gros. Je vais manger. Et il fait du ski, mon frère. Il fait des katas. Kimi Nebe Bang Bang, Cabre Gang, Camino Rip Neo. On a lag. Franchement, 109 francs. 109 francs, une paire de campus. Voilà où Mike nous a proposé de manger. Regardez. Mike, il a dit, il y a un truc qui est un fric. C'est un coiffeur. Ok, mené. Comment? Cool. Ça va quoi? Tranquille. Yo, ça va? Ça va. Hey, je vois Mike, la vérité, je vois Papy, ouais. Aujourd'hui, on m'a demandé des visites et tout, gros. Ah, vous avez pas tout ça, vous? Non, on a pas. Et pour vous, le chinois commence à devenir grand frère. Bon, regarde, donc, ouais, t'as l'habitude. Ouais, il a ça. Ouais, tranquille, t'inquiète, on grave l'habitude, tout ça. Ouais. Le moment où on parlait. Gros, le mec, il est venu. C'est comme as. Il est tombé face contre le sol comme as. T'as twerké? Ok, j'ai capté. Hey, swear. Que Smo il a raconté une histoire. Que Smo il a raconté une histoire de plus de 2 minutes et de plus de 5 mots. Il a répété deux fois. Et deux fois, deux il fois, a dit ouais. Deux fois. Attends, ils ont pas entendu. Wesh, il a fait du bout. Il s'est pas tourné. Il a fait du bout. Vas-y, que Smo, vas-y. Et une pensée à français au fait au passant. Il a pas voulu venir avec nous. Vas-y.
c'est dans la boîte. J'ai soulevé mes mains, j'ai craché pas le truc. Putain, me casse les couilles, pourquoi j'ai pas pensé direct? Puis ouais, c'est ça, c'est trop laid dormir et pleurer. Je faisais ça à la caméra, regarde. C'était ça, j'appuyais. Oh le bâtard. Chez Camino, je suis un peu votre reporter de terrain. La dernière fois, je vous avais emmené chez No Boys Allowed à Amsterdam. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit secret. Secret Spot. Magasin ouvert il y a 15 ans et tenu par Camille Sneakerhead de 39 ans. On a de la chance, on est arrivé pile quand il s'est fait livrer son stock. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un bazar de sneakers après retail. Enfin, retail suisse quoi. Viens voir, Manet. Who let the refrigerator open, bitch? Hey. Back up in your shit like a bounty hunter. Don't worry about your bitch, I know you're counting on her. Mounted on her. Went up in the club and threw a thousand on her. Took her back to the crib and put the hounds on her. I ain't playing games with these niggas. Spitting fire, splitting flames. And my rank all seven figures. I'ma rearrange things on these niggas. Yeah, it's gonna be a fucking change on these niggas. I'm like, no way. Okay. They don't want T-Pain alive, stay out that doorway. I got that shit, I go and holler at my Jose. My bitch a plug, so listen to what my hoes say. Ok, Lolo, on est où là? Drop. À Andy, si je crois. Si je. Si on se repère bien. Regarde, je t'entends ou pas? C'est l'animation. Français à la frontière suisse. Tu dois poser des questions avec le son. Ouais, je comprends. Dans cette zone, c'est quoi ce truc, gros? Et que c'est pas dans ce genre d'endroit que tu veux habiter, toi? Grave, faire le marché le matin, tout, aller chercher le fromage, ça va être lourd. T'es des enculés, même si c'est des enculés. C'est un bretzel, mon frère. Gros, c'est la fête du pain. On va à la kermesse, mon mort. Hey gros, non, j'espère qu'ils prennent la carte bleue. Y'a que ça qui peut ruiner ma journée, là. On l'a goûté, moi. Vas-y, gros, c'est ce qu'on va manger ce midi. Je l'ai ou pas? Mais oui, gros. Mais pas au lit. C'est que ça, on a pris ça pour que ce soit. C'est mort, moi, je mange pas ça. J'ai goûté, gros. Ça a l'air sec. Donne la carte, gros. Qu'est-ce que moi, donne la carte, donne la carte. Faire de levette, hein? Pas mal. De mon t-shirt! La dernière sous ma chute! Vous voulez pas qu'on aille sur le morceau là? Mais où est-ce qu'on est là? C'est Coponex, je crois, la ville. Ouais, c'est Coponex, la ville. Eh, hey, qu'est-ce que mon goût de goutte? Pourquoi j'ai ces goûts noirs, moi? Ah non, le verre est à moi. T'as pas le rose, toi? Non. Mais gros, pourquoi j'aurais le rose? C'est pas ah, ils sont déjà tous en train de boire de la bière, bon. C'est la texture, c'est parce que déjà, fallait pas faire ça. Fallait chercher que la surface. Tu sens que ça accroche dans ta gorge ou pas? C'est bon? Il y a pas d'âge pour manger de la bière, papa. Bonne journée. Merci. T'es bien oh. Couche. Comme ça? Toi, tu es le mec qui a jamais pris de bière, papa, là. Non, gros, c'est peut-être la première. Hein. Attends, attends, attends. Toi, tu vas casser mon truc. Attends. Vas-y, c'est bon. Il faut pas manger ça après film. T'as le son. Quand t'as la gorge sèche, mon pote. Là. Tu peux t'étouffer, mon gars. T'as de la barbe à papa, là. Fais pas ça. Tu vas avoir du mal à aller. Ça, c'est les voitures que Francis veut et après, il va envoyer dans un mur. Pas besoin d'un mur. C'est dégueulasse, mais quand la meuf elle a sorti une bassine de lait, elle a pris un balai et elle a tartiné tout ça, on aurait dû savoir, on aurait dû se dire ça. Gros, c'est dégueulasse. Hey, j'ai une ferme au bled, gros, je t'emmerde.
coq, poulet, mouton, tout ça. Pourquoi tu fais ta tête de daron? Il m'a regardé, il m'a dit 40 euros. C'est pas bien. Malanègue, on est là. On est là, en plein cours de créole. On a passé une vraie soirée. On a parlé toute la soirée, sauf Pique a dormi toute la soirée. La vie de ta mère. Et là, il va faire genre d'être excité en camarade. You got what? He said what? He did yeah. Après 2004, que ce soit, il écoute pas de musique. Et là, on est les filles. Ça, mon gars, c'est du son. Ok Méné, on est devant le Pompe Up de Zurich, anciennement appelé le Pompe Funèbre. Le shop a ouvert en 89, ça fait 25 ans qu'ils sont implantés en Suisse et depuis ils ont ouvert 5 shops. Un à Zurich, un à Lausanne, un à Neuchâtel, un à Genève et un à Bâle. À l'intérieur, tu peux retrouver du Nike, du Adidas, du Vans, du Converse et du Puma. C'est un peu comme notre JD en France, sauf qu'il n'y a pas de b-ball les gars. Allez c'est parti, on y va. On fait ça. On a montré la vidéo, ça a parlé direct, ils nous ont dit de rentrer mon pote. I will take carbonara. Regular size or small size? The big one. Regular size, please. Yeah. Maybe I'll go with piccolo. This is malin pour parler anglais. Yeah. Thanks. C'est des grandes crocs. Go quand même. Yo flou. Ah là. Oh. C'est quoi, il y a du parmesan? Il est en train de tout mettre. Ton pote, il est dégueulasse. Ça? T'as pas? Est-ce que c'est un faire un peu de break pour récupérer quelques euros? Mais arrête de dire ça, putain. Ah? Est-ce que, wesh, on a le droit de sortir chacun ses trucs? Moi qui dis, il a fait du skate, personne ne lui dit rien. Moi je peux pas dire que j'ai fait du break un peu. 4 fromages. Carbonara manègue. Ça glisse toujours au teint. Des pâtes végétariennes ou pas? J'ai pris les carbonara. En fait, là, j'ai pris un t-shirt hier, puis ouais, il a pris le même que WAM. Et là, aujourd'hui, j'ai pris carbonara et il a pris la même que. Tu sais où tu vas, mec? Et en l'entrée, il a fait genre celui-là à 6h. Je suis sûr qu'il est parti dormir, donc ça nous a même pas réveillé, gros. Et je vous ai laissé dormir exprès. Wesh, on a dormi une heure, mon frère. Vous avez dormi une heure parce que je vous ai laissé dormir. J'ai quitté la pièce. En plus, j'ai quitté. Genre, vous étiez là. Ouais, on dort hop ce soir, on dort hop. J'ai franchi le seuil de la porte. C'est quoi, on était en train de discuter. Tout le monde commence à taper des barres. Lui, il se levait, il arrêtait pas de faire. Frère. Genre, les deux, quand ils ont décidé qu'il fallait faire un truc, il faut suivre. On parlait de sujets sensibles, mon frère, non. Quand t'es là. Ok Méné, maintenant on se retrouve devant Tito Le Shop, une des plus grandes enseignes d'Europe en matière de sneakers avec 3 magasins situés en Suisse, à Bâle, Berne et aujourd'hui à Zurich, qui est ouvert depuis 2014 et qui est la plus grande boutique des 3. Alors ici, t'es certain de choper tous les hits que tu veux, comme la dernière Adidas Twin Speak ou encore toutes les VaporMax. Tu pourras même trouver les grosses releases comme les Yeezy et en plus de ça, juste là-haut, il y a une petite surprise. C'est parti, mané. This ain't my first rodeo. Check my portfolio. Without the Holy Ghost, I would be getting my commas up, quote unquote. I am not so and so. Might be the rapper that no one knows, but I got the click like a metronome. Lit that's a metrobo. New intellectual, yeah. I was the Oreo coming up. Told him at least I'ma get my degree, then I'll be back on the scene and my cream will be double stuff. Either that or a nuclear. Started boxing to toughen up, then I met Jesus and seen that the strong don't survive, they will sacrifice all for the other one. Ain't got no records, we'll be bragging on it. Under the blood, ain't no stacking on it. Shout out to Reed.
monster. I was tweaking, had my mama going bonkers. Yeah, you probably wouldn't believe it. If it hadn't been for Jesus, I'd be still running around like I'm a gangster. You be a monster. Now it's 50,000 people at my concert. Got their hands up screaming. I'ma tell them all about Jesus. How he turned me to a rapper, man, imposter. Aïe aïe aïe, les Cameroun. Mon mec, on va arriver dans un corner lourd, très très lourd. Le nom parle de lui-même, First OG. First OG, my mec. C'est un petit espace, un petit magasin ouvert par Titolo Shop qui leur a permis d'avoir accès à de la marchandise de haut standing. Je m'explique. Par exemple, ici, t'as du Y3, du Yamamoto Mané, des Kassa Mike. T'as du Nike Lab, t'as des marques d'un peu partout en Europe, Japon, Allemagne et même la France. Club 75 est dans la place. Il faut savoir que dans cet endroit, le réassort sort assez souvent, donc c'est ici qu'il faut venir se pouponner, récupérer des pièces qui vous permettent de sortir du lot et assumer votre swag, Mané. L'architecte qui s'est occupé de l'endroit, mon gars sûr, Dirk Boon, on va bientôt ouvrir les bureaux, on compte sur toi, Mané. PY7 est là, Caminery, on va y aller de la place, merci Titolo, merci Farshop, on est ensemble, Mané. C'est... Oh, je veux ça, ça, je veux ça aussi, je veux ça, la casquette, ça, je veux ça, regarde gros, je veux ça, moi je veux tout, Stussy est dans la maison, je veux ça, non, c'est du lourd. Anders, ton avis sur Tito Le Shop? C'était ultra lourd. Franchement, il est grand de ouf. La déco, elle est bien faite. Les gens, ils sont grave accueillants. Moi, bon, franchement, j'ai pris une frappe. Hein. Une frappe en pleine lucarne. Elle a pris une feu. Les paires qu'il y avait, c'était sale. Et franchement, enfin, on l'a dit déjà, mais on le redira tout le temps. C'est gros, c'est l'accueil qu'on a. On l'a dans un autre pays. Alors que quand on va dans nos shops, enfin, les gens maintenant ils me connaissent un peu, mais quand on va dans les shops, on n'a pas cet accueil. Après, Titolo, tout le monde connaît, il y a de la paire de ouf. Ce qui est ouf, c'est que genre, le premier mec qu'on a checké, on lui a dit, c'est Camino TV. Il a dit, mais je sais, je vous ai connu. C'est lourd. Et quoi, on est peut-être des semelards parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé de faire des trucs avec des shops français. Et en plus, on avait essayé à lancer. Ouais. On avait essayé à lancer. Mais d'ailleurs, Shinzo, ils ont commenté nos posts Insta. La dernière fois, ils ont dit, je sais pas quoi, sur le PSG, sur un de nos posts. Et ça faisait longtemps qu'on essayait de faire des trucs à Paris et ça marchait pas forcément. Le Camino, c'est international. On essaie de faire en sorte que ce soit. De la zone de savoir. Nous, on est. De la zone internationale. Il arrêtera pas. Et maintenant, c'était à l'époque des SDLV, des premiers trucs, j'avoue, c'était il y a bien 2 ans, tu vois. Maintenant, on est installé un peu, tu vois. Non, parce qu'on devait filmer, je sais pas qui, à Shinzo. Ah, c'était il y a 2 ans, gros. Il y a 1 an. Mais non, ça va trop vite. Regarde, déjà, il y a 1 an, c'était déjà LSDLV nouvelle version, donc c'était il y a 2 ans. Et en gros, je pense que si on fait tout le tour de la France, peut-être qu'on pourra filmer dans les magasins à Palapa. Peut-être. Après 40 vidéos sur 40 pays, peut-être. Ça, c'était environ 2 ans. Si, c'est ça. J'ai trompé, c'est pas 1 an. C'est moi qui l'ai dit, gros. Ah non, parce qu'en fait, c'est la deuxième version des LSDLV. C'est moi qui l'ai dit. Là, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Oh. Hey, casse. Eh, c'est deux. En gros, à la base, on était grave potes, mais là, c'est devenu trop un mec mature. Il est relou, il a pris des distances. Non, c'est 15 francs suisses. Non, il a écrit 15 euros. 15,40 euros. Là et là. En gros, ils font pas le. C'est 1 pour 1. Ils font la même chose. Il est plus proche du peuple, tu vois, il travaille sur un bureau à côté, là. Il est pas avec nous. C'est vrai, pas en plus, il est tout le temps dans le studio, il est pas avec nous. Studio dans le bureau à côté, frère. Je me suis isolé, accroché à lui, cousin. Je me suis isolé un temps, c'est vrai, parce que c'était plus pratique pour travailler. Maintenant que j'ai ramené mon Mac Mini au bureau et que Sean m'a rendu mon écran. T'as kiffé ton dur ici? Franchement, sur l'autoroute, non. Ouais, que ce mot, arrête gros, tu conduis 20 minutes par an. 3 heures là. Oui, mais. Et sur l'année, ça fait combien de temps? 2 heures la dernière fois. Tout à l'heure, j'allais dire. Sur une année, ça fait combien de temps? Cher. En fait, il a pris mon écran pour le ramener chez lui, pour pouvoir travailler chez lui.
et il me l'a jamais ramené. C'était l'écran de mon bureau, gros. C'était l'écran de mon bureau. C'était mon écran de 1 et de 2. Je punis que les mecs qui se brossent pas les dents. De toute façon, shout out à toi. En ce moment, je conduis. Hein. J'ai été chez Joya aussi. Frère. C'est toi qui as conduit ? C'est toi qui as conduit ? Du coup, il a conduit pour aller chez Joya ? Ouais, c'était sa voiture. Oh, tu fais quoi là ? Ah, on va breaker un peu histoire de ramener un peu d'argent, vas-y. Tu vois. Gauche, 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 voilà. Il a vu le clip, il a vu. Tout ce que j'ai en stock là. Ah, j'ai mal à la jambe. Hein. J'ai fait le double de chacun. De qui ? De tout. C'est pas réuni, chacun. Nous, gars, non, mais c'est tout ce qu'il fait, frère. Il fait que conduire, gros. Et après, ça vient, ça me critique sur ma conduite. Lâche-toi, non ? Ferme ta gueule. Et là, on t'entend plus d'une demi-heure. Mais... Elle est, je vais le faire. Plus, elle est. Va là-bas. T'es comme Turtle dans Entourage. Je suis le volant, mon gars. Ça, tu es grave. Déjà, je suis animateur d'événements hip-hop. C'est le petit buzz là. Je suis à réponse. Hein. On va faire un petit peu de break là, histoire de récolter un peu d'argent. Tu vois. Cette fois-ci, Méné, on se retrouve devant chez Ricole, le round 2 suisse. Simon a commencé en vendant des t-shirts Rockaware dans sa chambre avant d'ouvrir son shop en 2009. Ici, tu pourras retrouver du Gocha, du Bape, du Supreme, tous les items que tu veux et tu auras même des sneakers ultra rares comme les NMD Kiss et Naked ou encore les dernières Off-White Air Max 90. Alors si tu veux te faire kiffer quand tu viens en Suisse, c'est par ici, Méné. Yeah, woke up, glow up. A lot of y'all still don't know us. So what? Yeah, nothing but Saint turn all up. Get no love. Yeah, but ain't talk, that's my bonus. For my quarter. What's that? Boy, don't nobody own us. ACA, that's the law. Yeah. Spurge on with the balls. Yeah. Commas way out the calling. Patrick Ewing in the garden. Going for my people starving. Keeping up with no Joneses. Generous with my goal, yeah. Squad needed merch, so we bought our own shop. Free is my own hair, but I got it on lock. Count it all lost, count it all lost. Excuse me, I'm just trying to trust God. Finished up my lab, bit of dead for the money God sent. Had to write it on the check. Don't nobody own us, own us. Yeah, this right here ain't alone. Yeah. Eh hey, bâtard, gros je pensais même pas d'être toi qui m'arrête. Gros je pensais même pas être stick. 1-1-1-1. Go Mike. Go. C'est tout mon gars, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, allez vas-y, ciao. Tu l'as bien fait. Regardez-moi cette dent brillante. Voilà. Wesh les gars. Comment les gars? Putain, ça fait longtemps ça. Tu dates gros, c'est bizarre de te voir. Ça fait longtemps hein. Comment les gars, c'est putain, bonne route. C'est le vidéo là. Non c'est ça que je vais. C'est ça que je vais donner ça à madame. Ah, on va manger où les gars? Ah, on va à la fondue là. Hein? Là on va à la fondue. Moi je suis chaud. Hein? Wow. Non 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 gros, il y avait un truc raclette gros. Je suis plus tatou les gars. Et alors gros, c'est pas toi qui choisis. Ah, ah bon? Quel enculé. Bien sûr que si gros. On fait des trucs en coup, on choisit pas. Mais si on fait. Il dit venez on fait tous. Ah bon? Bien sûr gros. Qui a fait la teinture ici? Moi. Ah, voilà. Vas-y. Qui, moi je voulais pas faire la teinture. Eh, je voulais pas faire la teinture au départ. Qui a fait la teinture? C'est on choisit frère. C'est... Non, en vrai moi je fais tous les trucs. Non, mais toi je vais choisir aussi. Bah non. Allez, chose sérieuse commence. Franchement on a été déçus par presque tous les repas ici là. C'est le moment de remonter la note de la Suisse niveau repas là. C'est des bloqueurs de la vie. C'est-à-dire, dès qu'on va faire un truc... Depuis le temps il a vu, il
s'est retourné, frère. Il s'est retourné. Deux, ils savent. Qu'est-ce que viens de détendre. C'est des bloqueurs. Tu sais quoi chez vous, là, la dernière fois, on voulait acheter à Graille pour que ce mot, ils vendaient pas de Graille sans porc. Pas une Graille sans porc. Ah ouais, c'était en France. Pas une Graille sans porc. On va ramener une tarte au sucre. À manger. Ah, de ouf. Mais comment tu veux me dire bloqueur alors que je t'ai dit, vas-y, moi, je me fais ta douche. Mais c'est la tu première fois, dire... gros. Eh, ça fait et alors, il y a une première fois à tout, on commence pas à dire. Voilà. Ouais, voilà. Ah, là, t'as vu, ça partait d'un bon sentiment. Eh, les gars, ça partait d'un bon sentiment. Allez vous faire reculer. Voilà, lui. Non, pas moi. Moi, je m'en bats les couilles. Chacun sa cadence, tu vois ce que je veux dire. Le gars, là, c'est des bloqueurs. Et gros, il m'aime tellement, tu sais quoi. À chaque fois qu'on choisit, on fait un truc. C'est deux bâtards, tu sais ce qu'ils disent à chaque fois maintenant. Ouais, moi je fais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, moi je fais. Il sait. Il sait. Il sait. Ouais, mon nez. C'est comment le voyage? Le souffle, on a pensé quoi? Déjà, les petites Snicks Russell sont hyper chauds. Ils sont hyper chauds. En gros, ils ont bien fait l'event. Moi, je pensais qu'il n'y allait pas avoir de monde, mais même toi, gros. Ouais, gros. Genre, on est arrivé, on était étonnés. Les mecs, ils étaient grave cool. Tout le monde a donné à ce fort. Les petits de Snicker Russell, gros. On a tous été surpris, gros. Ils ont fait le taf de A à Z. Ils ont ramené des hits. Au niveau du love, on a reçu trop de ce fort. Ça fait grave plaisir. Genre, quand on a été au pop-up, c'était ouf. Et ça fait grave plaisir. Moi, j'ai kiffé. Je pense qu'on nous a jamais envoyé autant de love. Genre, quand on est arrivé, tous les petits, ils ont crié, gros. C'était un délire. C'était très, très lourd. Les 22 petits, c'était archi lourd, frère. Gros, comme t'as dit tout à l'heure, on est arrivé. On n'avait même pas passé la rue tous ensemble, frère. Ils ont vu la grosse touffe à Landry. Ils ont gueulé, ouais, y'a Landry, ouais, y'a Camino, nanana. Ouais, frère, c'était lourd de ouf. C'est simple, on a débarqué dans la ville, j'étais étonné parce qu'il n'y avait pas un bruit. Je me dis, ouais, c'est quoi cette ville fantôme? Et gros, on a tourné un angle. Bon, les gens, ils ont vu Landry, ils ont pété un câble. Ah, Landry, y'a Camino, tout ça. Et genre, il y avait l'ambiance, elle était là-bas. T'avais tous les petits qui étaient là-bas. Les petits, ils donnent trop de force. Frère, ils étaient stylés, tu vois. Genre, ils sont allés à un rendez-vous pour acheter des sapes, des produits. Ils se sont mis en condition. Il y avait une queue digne de la drop de chez Supreme. Tout le monde était chaud, tu vois. Ils ont tout fait eux-mêmes, pratiquement, tu vois. Donc, respect à vous, mes nez. Merci pour l'invite. C'était lourd. Franchement, si tu viens pour le... Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, si tu viens pour le tour des magasins de sneakers, forcément, frère, t'es un peu déçu. Bah, les shops, comme t'as dit, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et sur le peu qu'il y a, il y en a peut-être deux qui sortent du lot. Le Secret Store. Ouais, Secret Spot. Ouais. Secret Spot et le dernier qu'on a fait était quand même lourd. Ouais. Au niveau. Bah, Titolo, c'était d'art. Secret Spot, c'était d'art. C'était pas trop ça, il y a un shop que j'ai bien aimé, mais vas-y, c'était 243, je crois. Mais ils vendaient pas de dinguerie, du coup on n'a pas, tu sais, on est juste passé, on a passé donné la force, etc. C'était cool. Il n'y en a pas un qui m'a marqué l'esprit, mais ici il y avait des trucs pas mal cool. Et le musée, frère, en gros j'ai visité ma prochaine maison, quoi. La maison dans laquelle je vais vivre, je l'ai visité, frère. C'était trop lourd. Le gars, il était trop lourd, passionné de fou. On a parlé pendant 4 heures, gros. C'est un délire de ouf. On a filmé une heure, je crois, on est resté posé longtemps. On a filmé de ouf, franchement, il y avait trop de trucs à voir. Je sais même pas si on a tout vu, tellement il y avait des trucs. Le musée, c'était très, très, très giga lourd. En fait, le mec du musée, c'est Cosmo du futur. C'est trop marrant à voir. Il avait grave des jeux vidéo, grave des planches, grave du savoir, du knowledge et tout. Il nous a parlé et tout, c'était passionnant à la mort. Je pense que je suis jamais rentré dans un truc comme ça. Je suis jamais rentré dans un shop où il y avait autant de... Déjà, c'était des trucs divers et variés, tu vois. Et en plus, on s'embrouille tout le temps avec des mecs qui nous disaient « Maintenant, vous parlez plus de Supreme, maintenant, vous parlez plus de sneakers, non ?» Et là, dans le musée, il y avait et des sneakers, et des jeux vidéo, et du skate. Il y avait tout dedans, gros. Ça veut dire que, genre, en fait, si t'aimes un de ces trucs-là, tu peux aimer tous ces trucs-là, tu vois. Et tu peux faire un univers autour de ça, tu vois. C'était un vrai kiff. En plus, il a des pièces de ouf. Il a réussi à mélanger plusieurs univers et tout. C'est vraiment...
C'est vraiment grave stylé. Et ce que j'ai kiffé le plus, putain, c'est le musée du skate. Parce que comme je vous ai dit, j'ai été skater. Je faisais des 3-6 flips et je faisais des kickflips et tout. Mais non, le mec, il avait un savoir de ouf. Et j'ai touché une paire, mon gars, de 85 ou 86, je sais plus. Et c'est le plus beau jour de ma life. Et tout à l'heure, j'ai touché une banette, tu vois. Petite une banette, la vraie, pas celle où les gens ils disent banette, mais il n'y a pas la croix derrière. Et c'était le feu. C'était le feu. Y a Miller et Chuck qui étaient là. Chuck, ils ont donné la force. Ils ont plugué un peu partout, c'était lourd. On a passé un très bon moment. Après, il y a les frères, tu vois, qui sont là, qui nous ont pas lâchés depuis qu'on est arrivé. Et non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Il y a un bon délire, il y a. C'est frais. Les dabs, c'est fini. Et non, on va se retrouver bientôt. Je sais pas où on va aller la prochaine fois, mais on va essayer de faire le taf. En tout cas, nous, on est content d'avoir bougé, Médé. Merci pour la SoFort. On est content de vous voir. C'est le Camilo Gang, les Camineries sont de retour. Aïe, 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 soit.